Bonjour, ton prénom c'est Cassie. Cassie, moi c'est Roberto. Cassie, tu veux partir en hypnose? Ouais. D'accord, on vient de faire les tests de réceptivité et tu es réceptive. Donc je vais te faire partir en hypnose. Cassie, à partir de maintenant, j'aimerais que tu fixes un point à l'intérieur de ta main. Dès que tu l'as, tu me dis c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Tu vas jamais plus le quitter, d'accord? Tu vas te rendre compte que cette main va s'avancer de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus cette main avance, et plus tu peux te détendre et te relaxer. Et tu vas prendre conscience que toute ta vision périphérique va se brouiller de plus en plus et de mieux en mieux. Mais c'est juste quand cette main touchera cette tête, tu pourras te détendre et te relaxer dans un état très agréable. C'est juste d'or, c'est ça, complètement détendu, c'est ça. Complètement détendu et relaxé. Car à chaque fois que je te dirai 1, 2, 3 d'or, tu pourras repartir instantanément et immédiatement dans cet état-là. Et à chaque fois, tu glisseras 10 fois plus profondément. Tu seras 10 fois plus détendu et 10 fois plus relaxé. Ce sera juste au son de ma voix, uniquement au son de ma voix. Toujours dans un état de plus en plus agréable. C'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. C'est bien. Tu vois, c'est ça. T'as vu? Tu te détends, tu te relaxes. Ça n'a rien à voir avec le sommeil parce que je te parle et tu m'entends. C'est cool. Ton prénom, tu m'as dit que c'était Cassie. Cassie, pardon. Et chocolat, d'accord. Cassie. Cassie, à partir de maintenant, j'aimerais que tu fixes le bout de mes doigts. Tes jambes, elles te soutiennent tout le temps, il n'y a aucun problème, d'accord? Tu vas fixer le bout de mes doigts et tu vas t'imaginer que c'est un papillon qui voltige face à toi. Et ton but, c'est de jamais le quitter des yeux, ce papillon. Parce qu'il va aller de plus en plus vite. Et c'est juste à un certain moment, tu pourras te détendre et te relaxer. Mais pour le moment, ton but, c'est juste d'or. C'est ça, complètement détendu, complètement relaxé. Et à chaque fois, tu peux glisser très profondément à l'intérieur de ton corps. Car à chaque mot que je prononce, tu peux glisser 10 fois plus. À chaque respiration que tu prends, tu peux te détendre 10 fois plus. Et chaque battement de ton cœur te fait te relaxer 10 fois plus. C'est vraiment très, très, très agréable. Ce sera juste au son de ma voix et uniquement au son de ma voix. En fait, à partir de maintenant, tout ce que je te dis devient instantanément et immédiatement ta réalité. Absolument tout ce que je dis, aussi bête et stupide que cela puisse te paraître, devient ta réalité. Tu ne te poseras aucune question, tu n'auras aucun doute ni aucune hésitation. Car à partir de maintenant, tout ce que je te dis devient ta nouvelle réalité. À partir de maintenant, je vais toucher cette main et cette main va monter. Car cette main est un aimant et cette tête est un aimant. Et les deux aimants vont se rencontrer. C'est ton inconscient qui fait que cette main va se lever de plus en plus et de mieux en mieux. Et quand cette main pourra toucher cette tête, tu pourras glisser très profondément dans un état de bien-être absolu. Car c'est très agréable. C'est ton inconscient qui fait que cette main se lève 2 fois plus. C'est ça. C'est tellement agréable d'être dans cet état-là. Et dès que cette main pourra toucher cette tête, tu pourras glisser très profondément. Tu sais, c'est comme si tu étais sur un toboggan. Et quand tu crois que tu arrives en bas, tu peux glisser 10 fois plus profondément. C'est tellement agréable. C'est juste à un certain moment, dès que cette main pourra toucher cette tête, c'est ça. Dès que ça touche, glisse, c'est ça. Tu peux garder les yeux fermés, mais tu peux glisser très profondément à l'intérieur de ton corps, dans un état de plus en plus agréable, parce que c'est tellement agréable d'être dans cet état-là. Tu vois, je viens de te prouver que tout ce que je dis devient instantanément et immédiatement ta réalité. Absolument, tout ce que je te dis à partir de maintenant devient ta nouvelle réalité. Donc, tu ne te poseras aucune question. En fait, à partir de maintenant, je vais coller tes deux pieds au sol. Tes deux pieds seront complètement collés, scotchés, ventousés au sol. Tu seras dans l'incapacité totale de décoller tes pieds. Car plus tu vas tenter de décoller tes pieds, plus ils vont se coller. Tu vas tirer 2 fois, ça va coller 4 fois. Tu vas tirer 4 fois, ça va se coller 8 fois. C'est ta nouvelle réalité. À partir de maintenant, ces pieds sont complètement collés. Et plus tu vas tirer, plus ça va coller. C'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. Ça va? Tu vois ces deux pieds? Je les colle maintenant. Ça se colle 2 fois plus et encore 2 fois plus. Essaye de tirer. Ça se colle 2 fois plus et encore 2 fois plus. Plus tu tires, plus ça se colle. C'est vrai ou pas? Ça se colle 2 fois plus et encore 5 fois plus. C'est vrai? Oui, un peu. 5 fois plus. Plus tu tires, plus ça se colle. Ça se colle 2 fois plus. C'est vrai? Tu veux les décoller? Oui. Tu vas mettre cette main sur la tête. Mets cette main sur la tête. Regarde, ça se décolle. Par contre, cette main se colle 2 fois plus, et encore 2 fois plus. Plus tu tentes de tirer, plus ça se colle 5 fois plus, et encore 5 fois plus. Vrai ou pas? Oui. Ça se décolle maintenant. Tu combats, mais néanmoins, ça se colle. Le goût, tu m'as dit quoi? Chocolat. Nutella ou un chocolat particulier? Chocolat au lait. Chocolat au lait, choisis un doigt, celui que tu veux. Chocolat au lait, maintenant. Goûte. Chocolat au lait, 5 fois plus. Et encore 5 fois plus, tu as ce bon goût de chocolat. Parce que c'est tellement rassurant le goût du chocolat. 5 fois plus, tu as juste à saliver, tu as le goût du chocolat. C'est comme si tu venais de manger, si tu venais de manger du chocolat au lait maintenant. 5 fois plus, c'est vrai ou pas? Un goût sucré, ouais. C'est le goût du chocolat. Plus tu vas saliver, plus tu auras le goût du chocolat. 5 fois plus. Et encore 5 fois plus, parce que c'est tellement rassurant ce goût de chocolat. C'est vrai? Ah oui, c'est bon. Hein. Et tu vois, dans ton ventre, je vais mettre une petite boule de plaisir maintenant. Ça se diffuse tranquillement.
Et ce plaisir associé à ce goût, c'est une extase totale maintenant. Vrai ou pas? C'est bon, hein? Tu veux continuer? Allez. C'est 5 fois plus le goût du chocolat. C'est comme si tu l'avais en permanence dans la bouche. Tu peux retirer ton doigt, tu as juste à saliver, tu l'as en permanence. C'est comme si tu venais manger du chocolat au lait. C'est bon, c'est cool. Tu vas fixer un de mes yeux si tu veux. Maintenant, tu connais le chemin, tu vas plus le quitter. C'est juste 1, 2, 3, dors. Complètement détendu, complètement relaxé. Et à chaque fois, tu peux glisser toujours 10 fois plus profondément dans un état de bien-être absolu. Car le goût du chocolat, c'est 5 fois plus. Et le plaisir, c'est 5 fois plus. Ça se diffuse toujours tranquillement. C'est très, très, très agréable. En fait, à partir de maintenant, je vais aspirer ton prénom. C'est juste comme ça. Complètement aspiré. À partir de maintenant, tu seras incapable de prononcer ton prénom. Plus tu vas y penser, plus il partira 2 fois plus loin, il ira 4 fois plus haut. Tu sais, c'est comme quand on a quelque chose au bout de la langue. On se dit, c'est bon, je le tiens, mais il partira toujours 2 fois plus loin, il ira toujours 4 fois plus haut. C'est ta nouvelle réalité. Tu es dans l'incapacité totale de prononcer ton prénom, car il est parti 2 fois plus loin, 4 fois plus haut. C'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. Ça va? Tu te rappelles comment je m'appelle? Roberto. Ouais, tu sais comment il s'appelle? Et tu sais comment elle s'appelle? Laura. Et elle? Valentine. Et elle? Marie. Et toi, tu t'appelles comment, toi? Ça part 2 fois plus loin. Plus tu y penses, plus il part. Maintenant, il va 2 fois plus haut. C'est comme si toutes les lettres se mélangeaient et ça part toujours de plus en plus. Et de mieux en mieux. Il est tellement loin. Plus tu y penses, plus il part. C'est vrai? Comment il s'appelle, tu m'as dit? Théo. Et elle? Laura. Et moi? Roberto. Et toi? Il part 2 fois plus loin. Ça se mélange et ça part 2 fois plus loin. Regarde, ça revient maintenant. Tu le vois, là? Tu t'appelles comment? Cassie. Cassie, regarde si je fais ça. Complètement inspiré, il est parti 2 fois plus loin, 4 fois plus haut. Plus tu penses, plus il part. Je m'appelle comment? Roberto. Et lui? Théo. Et toi? Il est parti 2 fois plus loin? Par contre, il revient maintenant. Tu t'appelles comment? Cassie. C'est bien, c'est cool, on peut l'applaudir, elle est cool. Hein. Bravo. Hein. Tu veux changer de goût? Tu veux sucré, salé, ce que tu veux. Pizza. Ouais, pizza. Ouais, pizza, laquelle? 4 fromages. Pizza 4 fromages maintenant. Tu as juste à saliver, tu vas avoir le goût de la pizza 4 fromages. Tu peux sentir, tu peux avoir le goût de la sauce. Tu peux avoir le goût du fromage fondu 5 fois plus. Tu peux même avoir l'odeur. C'est comme si tu avais la pizza sous le nez maintenant. C'est comme si tu venais d'en manger 5 fois plus. C'est tellement bon. Vrai ou pas? C'est vrai, hein? Et 5 fois plus. En fait, plus tu vas saliver, plus tu vas avoir le goût. Et le plaisir, ça se diffuse toujours tranquillement. C'est très agréable. En fait, le plaisir, il est à ce niveau-là. Et je vais l'intensifier. Tu me dis stop quand ça te convient. Parce que tu vas vraiment sentir que ça va s'intensifier dans ton corps. On le laisse là. C'est bien ce que tu fais. Tu veux vivre autre chose? Allez, je vais te faire repartir tranquillement. En fait, tu vas fixer le bout de mes doigts et tu vas t'imaginer que c'est un papillon qui voltige. Toujours le papillon. Et c'est juste, à un certain moment, dors. C'est ça, complètement détendu, complètement relaxé. En fait, la prochaine fois que tu vas te réveiller, tout sera normal. Par contre, à chaque fois que je dirai le mot freeze, tu seras congelé sur place. Tu seras comme une statue de glace, tu sais, comme la reine des neiges. Tu seras dans l'incapacité totale de bouger la moindre partie de ton corps. Tu ne pourras plus parler non plus. En revanche, tu pourras voir, entendre et respirer tout à fait normalement. Il n'y a aucun problème. Par contre, à chaque fois que je te dirai le mot freeze, tu seras complètement gelé sur place. Et quand je dirai le mot défreeze, tu pourras reprendre une activité tout à fait normale et tout à fait naturelle. Entre le freeze et le défreeze, le temps s'arrête. Tu oublies tout ce qui se passe. Donc ta nouvelle réalité est celle-ci. Au mot freeze, tu deviens une statue de glace. Au mot défreeze, tu reprends une activité tout à fait normale et naturelle. Et entre le freeze et le défreeze, le temps s'arrête. Tu oublies tout ce qui se passe. C'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. Ça va? Est-ce que tu peux nous reproduire une statue célèbre que tu aimes bien? Ou peut-être vous pouvez l'aider? Freeze! Des frises. Je suis là. Je t'ai dit que je pouvais me téléporter. Regarde, c'est juste. Frise. Des frises. Je suis là. Frise. Super. C'est cool. Des frises. C'est bien ce que tu fais. Tu veux changer? Hein? Tu veux changer de goût? Non, j'ai pas. Toi, t'es sur pizza, tu l'as? Tu l'as bien la pizza? Tu restes sur la pizza? Les frites. Frites, avec une sauce? Mayo. Mayo. Frites mayo maintenant.
plus tu vas saliver, plus tu vas avoir ce bon goût de frites. Tu vas avoir le sel des frites, le goût des frites, le goût de la mayo. C'est comme si tu venais de manger des frites à la mayo maintenant. 5 fois plus. C'est tellement bon, c'est bon. Hein. Et le plaisir, ça se diffuse toujours tranquillement. C'est agréable. C'est cool. Tu veux vivre autre chose? Allez. Il y a une star que t'aimes bien? Une star, un chanteur, un acteur, enfin un ou une, je sais pas. Toi? Je sais pas, moi. Une star, je sais pas. Kev Adams, je sais pas. Kev Adams? D'accord. Tu vas fixer un de mes yeux. C'est juste 1, 2, 3. Dors, complètement détendu, complètement relaxé. À chaque fois, tu glisses très, très, très profondément à l'intérieur de ton corps. La prochaine fois que tu vas te réveiller, tu vas halluciner. Tu vas pas en croire tes yeux, mais tu vas te rendre compte qu'il va y avoir Kev Adams qui sera derrière toi. C'est ta nouvelle réalité. Jusqu'à présent, tout ce que je t'ai dit est devenu ta réalité. Donc, tu dois te poser aucune question, avoir aucun doute ni aucune hésitation. La prochaine fois que tu vas te réveiller, il va y avoir Kev Adams derrière toi. Tu vas lui faire savoir à quel point tu es fan, à quel point tu es contente de le voir. Tu vas vouloir qu'on te prenne en photo avec lui. Car je réalise ton vœu. Kev Adams est derrière toi. Je suis un génie, je réalise ton vœu. Tu as voulu le voir, je te l'ai emmené. C'est ta nouvelle réalité. Kev Adams est derrière toi. C'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. Regarde ma grande, j'ai une surprise pour toi. Tu peux le prendre dans tes bras, hein. il est là pour toi. Hein. Si. T'es contente? C'est cool, hein. Vas-y, tu peux le prendre dans tes bras, il est là pour toi. Hein. Tu veux qu'on te prenne en photo? Vas-y, vas-y. Quelqu'un peut la prendre en photo? Elle est contente là. Tu peux lui faire un bisou sur la joue, il est venu pour toi. Hein. C'est cool, hein? C'est cool, c'est bien. Hein. T'es contente, hein? Tu vois, les rêves, ils se réalisent, hein. Faut pas désespérer. Hein. C'est cool, hein? Elle est trop contente là, je crois. Tu lui dis au revoir? Allez, un autre bisou, allez, un autre bisou. C'est cool, tu viens? T'es contente, hein? C'est cool. C'est juste 1, 2, 3, dors, complètement détendu, complètement relaxé. C'est génial ce que tu fais. En fait, t'es une fille géniale, j'adore ce que tu fais. Complètement détendu et complètement relaxé. La prochaine fois que tu vas te réveiller, eh ben. Qu'est-ce que je peux lui faire faire? Elle aime chanter? Tu aimes chanter? Tu peux me répondre, hein, dans cet état-là. Hein. Non. Tu aimes pas chanter? C'est quoi que tu aimes dans la vie? C'est quoi tes passions? T'as une passion? Non. Faire de la gym. Faire de la gym, ouais. Ouais. D'accord, c'est ta passion, faire de la gym. Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux aller, où tu veux un endroit réel? Oui, réel, tu peux y être instantanément, immédiatement. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde maintenant, est-ce que tu as envie d'aller quelque part? À New York. New York? Dans les rues de New York? Un endroit particulier ou dans les rues? Dans les rues. Dans les rues de New York, d'accord. C'est juste 1, 2, 3, dors, complètement détendu, complètement relaxé. C'est génial ce que tu fais, j'adore. En fait, comme tu as pu t'en rendre compte, tout ce que je te dis devient instantanément et immédiatement ta réalité. Donc tu dois te poser aucune question, avoir aucun doute ni aucune hésitation. La prochaine fois que je te dirai 1, 2, 3, les yeux ouverts, tu seras instantanément et immédiatement dans les rues de New York. Je serai avec toi et on va regarder le paysage, le décor. Parce que tu seras instantanément et immédiatement à New York. C'est ta nouvelle réalité, c'est juste 1, 2, 3, les yeux ouverts. Regarde ma grande fille. Ça claque, hein? Ça tue, hein? T'as vu tous ces grands buildings et tout? C'est la folie, hein? Il y a des grands écrans. Ouais, ça claque, hein? Regarde, tu les vois, là? Tous les taxis? Ouais. Tous les taxis jaunes? Ça tue, hein? Ça claque, hein? Et tout ce... Comme c'est bruyant. Tout ce bruit, hein. Tu aimes? Ouais. C'est cool, hein. C'est cool de pouvoir aller à New York comme ça sur un claquement de doigts. C'est agréable, hein. Tu veux rester ici? Bah ouais. Allez, bah je te laisse ici alors. Okay. Je te laisse à New York. Ou je te ramène dans notre réalité. Allez, je te ramène dans notre réalité. C'est bien ce que tu fais. C'est juste 1, 2, 3. Dors. Complètement détendu, complètement relaxé. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas pouvoir sortir de cet état-là qui est si agréable. Avec le 1, tu vas prendre une grande inspiration de manière à oxygéner entièrement tout ton corps. C'est bien.
Avec le 2, c'est chaque muscle, chaque nerf, chaque fibre de ton corps qui revient à une tonicité tout à fait normale et tout à fait naturelle. C'est cool. Avec le 3, tu vas prendre conscience de tes bras, de tes jambes, toujours dans un état très agréable. Avec le 4, c'est comme si tu sortais d'une rivière, une rivière rafraîchissante, une rivière tonifiante. Tu te sens rafraîchi, tu te sens vitalisé, tu es purifié de l'intérieur et de l'extérieur. Et avec le 5, ton cerveau est clarifié, tes yeux sont clarifiés, ton nez est clarifié, ta gorge est clarifiée, ton cœur et tes poumons sont clarifiés, ton estomac et ton foie sont clarifiés, ton corps est entièrement clarifié. C'est juste un, 2, 3. Tu peux revenir parmi nous dans un état très agréable. Bravo, hein, c'est cool ce que tu as fait. On peut l'applaudir, elle a été cool, hein, bravo. Hein. Merci.